Hello people! Comment ça va? On a eu une bonne nuit de sommeil à Sept-Îles. Là, il est presque 11 heures. Dans le fond, on est à l'office du tourisme de Sept-Îles. On s'en vient rencontrer la gang. Dans le fond, on n'est pas tout seul pendant ce 4 jours ici. C'est comme un voyage de presse. Dans le fond, il y a d'autres blogueuses qui vont être ici pour écrire des articles et tout sur les activités à faire dans la région. Nous, on fait la vidéo promo, mais ils nous ont comme greffé à ça en même temps. Fait que là, ils devraient arriver dans pas long, là. T'as-tu vu ça, comment je suis galant? Oh wow, t'es venu m'ouvrir la porte, t'es bien trop gentil! Comment tu te sens aujourd'hui, MJ? Écoute, c'est très dommage parce que mon rhume, il part puis il vient comme... Comme là, je me sens bien dans le moment présent, mais je sais pas si dans 2 heures, je vais être bien encore. Puis ce qui est dommage, c'est que la dernière fois qu'on est venu à Sept-Îles, les deux, on était vraiment très malades. Puis là, je me disais, ah, ben tu sais, mais qu'on retourne l'été, ça va être le fun, tu sais, c'est l'été. Mais je suis encore malade, crime. Ça me fâche, là. Ça me fâche tellement que mon nez n'ait pas collaboré avec tout ça, ma gorge, puis... Je tousse un peu, là, aussi, là. Merci pour le temps de l'appui. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Alex. Bonjour, Isabelle. Enchantée. Salut. Allô? Salut. Anne. Anne, enchantée. Salut, Gabrielle. Alex. Allô? Hey, toi, on se connaît. Oui. Ça va? Oui, toi? Ben oui. Hey, je suis contente de te voir. Je vais pas donner de bec quand même. T'es malade? Oui. C'est ma routine de cette île. Ah oh, oui. Je suis malade. Ah, mais c'est super malade, c'est super. Oui. Alors, comment ça marche un voyage de presse comme celui-ci? Ben, dans le fond, pendant quelques jours, dans ce cas-ci, c'est 3 jours et demi, on fait plein d'activités. Puis, évidemment, nous, on documente le tout via vidéo, photo, etc. Fait qu'aujourd'hui, le plan à l'horaire, c'est qu'on s'en va premièrement dîner, ensuite croisière, et ce soir, on fait du camping sur une île, si je me trompe pas. Fait que ça va être une journée quand même bien remplie, mais heureusement, il fait beau. Fait que ça devrait être nice. Là, on s'en va en Zodiac. On s'en va à l'île des grosses boules. Oh, ouais. Non. J'ai dit ça. L'île des grosses boules. Mais c'est pas de même que ça s'appelle. Non, ça s'appelle juste... L'île grosses boules. L'île grosses boules. Moi, je le trouve très drôle, le nom de cette île-là. Je suis bien content que c'est MJ qui l'a dit parce que sinon, je pense que je serais parti à rire. Ouais, c'est parfait. Merci. Que ça brasse! C'est un manège, man! Oh, ça, c'était rock'n'roll! Hey, très active! Très. Oui, montagne russe, c'est ça le mot que je cherchais! Dans le fond, ici, c'est une ferme d'élevage de mollusques. Ils élèvent... Qu'est-ce qu'ils élèvent? Ben, ils élèvent toutes sortes de choses, là, comme des pétanques, entre oui. autres. Oui. On dirait que je me sens comme j'ai un quiz, là. Bref, toutes sortes de choses que tu peux manger, là, des genres de fruits de mer. Il y a plein d'algues aussi. Tiens, c'est à l'ail. Oui. Les algues à l'ail. Whoop-a-l'ail. Mon algue, c'est même pas drôle, mais j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'est parfait. Mon algue à l'ail, whoop-a-l'ail. Puis c'est ça, on a une petite présentation là de, j'imagine que c'est la propriétaire ici, par rapport à tout ça. Puis là, on vient de finir une petite hike là, de 10 minutes pour avoir un beau point de vue sur les îles. Puis là, ben c'est ça, on s'apprête à quitter. Là, on s'en va à quelle île? Grande Basque. C'est ça. Tu vois, le quiz, MJ, le quiz. Follow. Tu me prends trop par surprise. Mais dépourvis. Dépourvis. On s'en va à l'île Grande Basque, puis c'est là qu'on s'en va faire du glamping. On vient tout juste d'arriver à notre terrain de camping sur l'île Grande Basque. Alors ça, c'est où on va dormir ce soir. Beau terrain quand même. La grosse tente, c'est pour les filles. Puis la petite tente, c'est pour nous, le couple.
Pour vrai, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a fait du camping. Tu sais-tu, toi? Tout ce que j'ai en tête, c'est genre en Nouvelle-Zélande quelque part. Aucun souvenir. Pas vrai, on en a fait l'été avec ta petite nièce quand on est allé tourner des capsules pour Flip TFO. Oui, c'est vrai! On a fait une petite série de trucs, astuces camping. C'est ça, c'était à l'été genre 2017. C'est vrai, c'est vrai. Hey, on était hot là-dessus. On était jeunes, si beau, si frais. Isabelle, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qu'on boit? Alors, on boit la bière de Saint-Pancras de Baie-Comeau, la microbrasserie. On a une diversité de bières de blonde, de brune, de IPA. Là, si tu fais des ventes, là, tu vas avoir une commission. J'espère, André! Elle connaît de nom en plus. Ouais, elle va. Papille gustative. Attention. Ah, je trouve que c'est comme la plus goûteuse. Ah ouais, ah ouais, celle-là c'est ma préf. Ah bon? Ouais, bon. Walker, la brown ale. C'est quoi son histoire, elle? Son histoire... On raconte qu'au nord de Port-Cartier, le lac Walker est si profond que si vous y jetez une pièce de monnaie, elle prendra une vie avant de toucher le fond. Ah, mais c'est ça, tu dis à toi, là, toutes les... Ça veut dire quoi, prendre une vie? Comme elle va prendre la vie de quelqu'un, genre? Non, ça va être une éternité avant qu'elle tombe. Oui, ça va prendre une vie avant qu'elle se rende au fond, OK. Ouais, c'est ça. Bon, mais somme toute, grosse journée. Grosse journée, oui. MJ, je pense que ça serait mieux si je faisais l'extro tout seul. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ma voix, ça allait bien. Je pense parce que t'as bu trop de gin. Peut-être. Moi, je pense que je trouvais que c'est le gin, ça l'aidait, ça venait tout réchauffer ici. Grosse journée, il nous en reste 2 autres et demi comme ça. Mais sinon, c'était cool. C'est spécial d'être de retour en camping, ça faisait un bout. Mais, hein? Retour aux sources. Retour aux sources. Moi, j'aime ça du camping, puis on le fait jamais parce qu'on a tout le temps besoin de se connecter. C'est ça, parce qu'il faut qu'on fasse du ça, souvent. C'est ça. En camping, ça va moins bien maintenant. All right, on se laisse là-dessus. Laissez un like sur la vidéo, sur notre page, si c'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous c'était où et quand la dernière fois que vous avez fait du camping en tente. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Et ça splash? Vous allez avoir du splash. Ben, c'est ça, je te dis, ils sont super vivants. Ils sont...